America! You come in. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, ça va être n'importe quoi. Bon, fait que bon matin tout le monde. Donc là, on commence New York sous la pluie ce matin. Fait que là, on est... Il fait quand même frais. On est le 8 juillet. J'allais dire juin. On est le 8 juillet. La fièvre peut raccourcir son été. Ouais, c'est ça. Non, mais je veux qu'il dure plus longtemps. Là, dans le fond, on s'en va au Chinatown. Puis après ça, on va aller à Brooklyn en espérant qu'il fasse un peu plus beau. Mais il annonce soleil en fin de journée. Ok, bon, parfait. Fait qu'en fin de journée, ça, on met tous nos espoirs là-dessus. Ok, je vis ma best white girl life. Je viens de m'acheter full de produits chez Glossier. Je vais vous montrer ça à soir. Chinatown, même si on risque de revenir ce soir peut-être pour genre un souper ou quelque chose du genre. Ah, ok, à suivre. C'est pas évident de trouver des restaurants, surtout dans Chinatown, qui ont pas de poisson et des menus végés. Ouais, parce qu'il y a vraiment, ouais, puis aussi c'est parce qu'il y a vraiment beaucoup de monde, puis c'est vraiment crowded. Mais c'est surtout c'est dans leur culture aussi, tu sais. Ouais. C'est beaucoup de poisson, puis c'est de la viande, fait comme. C'est parce que Frankie est allergique aux poissons, puis en plus Frankie puis moi on est végé, fait c'est ça. Mais en tout cas, fait que là, on se guette des billets de métro, puis on s'en va à Brooklyn. Le métro fait des bruits vraiment pas légitimes. Il roule pas aussi vite. Non, c'est pas grave, on fait confiance. À Brooklyn. Et on s'est acheté quelques pièces de vêtements qu'on va sûrement montrer à quelque part. Oui. Comme le chapeau à Natacha. Il est vraiment cool. Made in Italy. Mais sérieux, il y avait des trucs tellement intenses que tu étais. 100% wool. Genre, on a vu quoi? C'est quoi les souliers déjà? Des Dark Martens. Yo, il était genre. Freaking, comme special edition à freaking $30. I was like, oh my god, it doesn't fit me. En tout cas, on vous montrera nos vêtements. Yes! On va faire un haul! Bon, ben finalement, on n'aura pas fait l'heure de marche pour rien, hein? La vue est quand même... C'est marrant, il y a déjà eu un point de vue de Friends ici. Ça se peut. Dites-nous ça en commentaire. Y a-t-il déjà eu un point de vue de Friends ici? Oh, c'est trop beau! Mmh.
vient de revenir. Et ça, c'est tous les achats qu'on a faits durant la journée. Donc, il y a autant du glacier ici, il y a du linge de friperie là, là, ouais, le corset à Frankie, là, ma robe. Oui, ça, c'est mon chandail que j'ai acheté, le chapeau à nattes, la robe. Attends, mais ça fait un total de combien pour tout ça en plus? Attends, on va calculer ça. Après calcul, guys, ça nous est revenu à 413 $ US. Non, et pour de vrai, pour tout ce qu'on a. Pour tout ça, c'est quand même pas si pire. Pour tout le make-up, on a une fucking belle peinture. Ça paraît pas sur le tableau. Oui, ça, c'est une peinture. 600 $ directement dans ça, là. Mais pour tout ça, c'est quand même pas si pire. Good job, guys. Oui, t'as quelque chose à dire, Frankie? Non, je m'en veux juste voir le site de studio. On peut leur faire un petit shout-out, c'est quoi? StudioManhattan.com. StudioManhattan.com. Excellent. Yay! Yeah. Fait que, qu'est-ce qu'on mange encore une fois pour souper? Je pense qu'on est accro un peu. Mais c'est fucking bon! Mais... Faut qu'on aille à Montréal! Ouais, je vote pour qu'on aille à Montréal. Ariel a pris du Jollibee. Du poulet frit. Yeah! Thank you. Oui. Écoute, sur les murs, il y a même comment faire la danse Jollibee. Ah, écoute, est-ce que tu l'as appris? Non. Ah, malheureusement, on n'aura pas ça sur moi. Même si je l'avais appris, je l'aurais pas fait. OK. Ouais, on est au Steve Madden, puis ils vendent littéralement ces lunettes-là, que c'est des lunettes qu'on portait toutes en science dans nos labos. J'ai l'impression de venir du futur. On portait tout dans les labos scientifiques, genre, puis ils vendent ça combien? Puis ça se vend 36 $ US. Comme, allô, je suis prête pour genre faire un laboratoire scientifique. Sous la le soleil. Oh my god, c'est laid. Hey! Bon, fait que là, dans le fond, on est le 10 juillet, puis il est autour de 4h-20, puis en fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai ça. Parce que en fait, le voyage a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Dans le fond, en revenant à Montréal, j'ai eu un accident de voiture. Heureusement, personne n'est blessé, là, c'est vraiment ça le plus important. Là, je pense que ce qui a le plus souffert dans ça, c'est mon cou. Mais aussi ma voiture, parce que sans vous raconter les détails de l'événement, parce que ça est assez intense, tout mon côté mon côté conducteur, mes potes sont scrap. Mettons que j'ai été vraiment chanceuse de pas m'être blessée plus que ça, puis en plus Ariel était dans l'auto avec moi, elle a rien eu elle non plus, il y a pas eu de piéton ou genre whatever, la personne qui conduisait l'autre voiture non plus est pas blessée. Fait que déjà ça, je suis vraiment contente, mais c'est pas encore officiel, mais le gars qui a remorqué Ariel pis moi hier nous a dit que l'auto était une perte totale à 95% de chance. C'est ça. Honnêtement, ça me fâche vraiment parce que... Mais je sais que je ne suis pas la personne qui a le plus eu de tort dans l'accident. Mais c'est pas, je veux dire, c'est pas moi, je pense, qui a causé la plus grande faute, mais c'est à moi que le plus gros résultat est arrivé. Mais bon, c'est pas la fin du monde. C'est la vie, c'est pas grave, je risque d'avoir une nouvelle voiture de toute façon. J'ai une voiture en location en ce moment, fait que voilà. Fait que c'est pour ça que là en ce moment je porte une... Je sais plus comment t'appelles ça, j'avais le mot ce matin mais là je l'ai plus, mais un support de cou. Mais sinon, je voulais juste faire une conclusion parce que j'avais pas vraiment de conclusion au vlog de New York. Mais ce que je voulais vous montrer avant de conclure officiellement, c'était ce que j'avais acheté pendant mon voyage. Fait que je vais vous montrer ça. Premièrement, je me suis acheté ce sac à main-là que je trouve vraiment beau, honnêtement. Je l'ai acheté dans un magasin qui s'appelle Rainbow. C'est vraiment comme... C'est assez cheap, honnêtement, comme magasin. Mais je trouvais que la sacoche était vraiment belle. Puis j'en avais pas dans cette couleur-là.
Elle m'a coûté 20 US. Autre affaire que je me suis achetée chez Rainbow et que je capote, c'est cette paire de souliers jaunes. Je les trouve tellement belles. Encore une fois, elles m'ont coûté 20. C'est ça. Je pense pas par contre que c'est les souliers que je vais porter quand, tu sais, je sais que genre, mettons, je vais faire des grandes marches pour une soirée. Mais je les trouve vraiment insane. Je me suis acheté le Milky Jelly Cleanser. Je l'avais essayé en échantillon au voyage, puis je l'ai adoré. Ensuite, je me suis acheté 3balm.com, que ça, dans le fond, c'est des baumes à lèvres, mais vous pouvez aussi comme les mettre comme sur d'autres régions un peu plus genre secs de votre corps. Donc, j'ai acheté celui à la menthe, celui à la mangue que j'ai aussi eu pour ma fête, puis le birthday qui sent un peu comme la, genre la, le gâteau. Puis j'aime vraiment leur packaging. Pour vrai, c'est juste comme, c'est trop cute, puis c'est genre insane. Puis la dernière chose que je me suis achetée, c'est le bubble wrap. C'est aussi quelque chose que j'avais demandé pour ma fête. Dans le fond, c'est une crème repulpante yeux et lèvres. Mais je pense qu'ils l'ont littéralement sorti comme la, genre la semaine de ma fête. Fait qu'il était comme sold out. Mais voilà. Fait que voilà, c'est ce qui va conclure les vlogs à New York. Je m'attendais vraiment pas à ce que le voyage se termine comme ça. Mais honnêtement, ça a été vraiment le fun. Puis je suis vraiment désolée encore de pas avoir toutes fait les vlogs avec cette qualité-là. Puis finalement, ben, j'ai retrouvé ma recharge de caméra. Fait que ça, c'était vraiment bon. Mais en tout cas, si jamais vous avez aimé les vlogs de New York, abonnez-vous à la chaîne, faites un thumbs up. Et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!